Bonjour Serge, bienvenue à l'interview off du jour. Bonjour Laura. Ici à Dubaï, j'ai rencontré un Irlandais du Nord qui a fait ses études à la Sorbonne à Paris. Et je lui ai expliqué, je lui ai fait croire que j'étais athée. Mais il m'a dit, soit, mais en quel Dieu crois-tu ? Celui des catholiques ou celui des protestants ? Ben moi, comme toi, j'ai pas compris. Alors, j'ai répondu à tout hasard, celui des catholiques. Ça tombait bien, il était catholique. Voilà. Et les gens te posent des questions, tu ne sais même pas quand ils ont terminé que veut dire la question. Alors j'avais été clair, en les faisant croire, j'étais athée. Et comme je n'étais pas rhumé, je ne peux pas dire à tes souhaits. Allons-y pour la question. Hein. Pour le podcast d'aujourd'hui, je te propose de lire des citations que tu as pu dire ou écrire et je te laisse les commenter. Ah bon, d'accord. Si je me commente moi-même, c'est génial. Ce n'est pas la peur du coronavirus que vous avez, mais la peur de la peur. Oh que oui. Oh que oui. Le coronavirus est une maladie comme une autre, qui n'est pas marrante, bien sûr. Mais la peur que l'autre, dans la rue, partout, dans l'ascenseur, vous donne le coronavirus. Vous avez peur de tout. Si quelqu'un est sans masque, ça y est, vous vous levez au galop, hein. Si quelqu'un est sans masque et se met à éternuer dans le métro, tu vas voir comme le compartiment va se dégager pour laisser de la place. La peur de la peur qui fait que même dans les TGV, les contrôleurs n'ont pas vérifié, ce sont les citoyens qui disent « Monsieur, votre masque, il faut le remonter, votre nez n'est pas caché », etc., etc. Peur de la peur, bien sûr. Alors, la deuxième citation. Le courage est inhérent à la vie chrétienne. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Jésus marchait en savate, en sandales quand même, inconfortable. Il n'avait pas des Nike aux pieds, d'accord ? Avec les apôtres, ils n'avaient pas toujours à manger. Ils n'étaient pas toujours bien reçus dans les villes. Il y a même des endroits qu'ils devaient éviter. Été comme hiver. Et dans le désert, il fait froid l'hiver, je peux te le dire. Hein. Et quand il fait chaud, il fait chaud. Il est allé sur la croix alors qu'il avait le pouvoir de s'échapper, puisqu'après il va montrer qu'il est Christ. Hein, il guérissait, ressuscitait les morts et compagnie. Donc il aurait pu s'échapper, il a accepté son destin. Alors quand tu vois un homme qui a fait ça, ben, derrière, si tu es vraiment chrétien, que tu sois protestant ou catholique orthodoxe, eh ben, tu dis, ben, je vais quand même, je ne peux pas faire ce qu'il a fait, je ne tiens pas non plus à être crucifié, mais bien que j'ai été crucifié, par tout le monde, ça c'est évident. Ce pouvoir que Dieu m'a donné, qui n'était pas prévu, ça révulsait non pas les athées, mais ça révulsait les spirituels qui crevaient de jalousie. Ben là, il a fallu de la force également. Non, chrétien, ça nous oblige quand même à dire Jésus a fait plus que nous. Voilà. Et c'est très bon ça. Un jour, tu as cité Charles de Foucault. L'Église est une apparente défaite dans une perpétuelle victoire. Oui, alors Charles de Foucault était un espion de l'armée française, il vivait dans le désert et il trahissait les Arabes qui étaient autour de lui, parce que c'était un agent du deuxième bureau de l'époque. Mais ça, on oublie de le dire. Bien sûr, on va me dire, c'est le patriotisme et tout ça, oui, au nom du patriotisme, on en fait des choses. Hein. Alors l'Église, bien sûr, on ne peut pas lui donner de leçons. C'est une Église qui sans arrêt sait rebondir, parce qu'elle sait manipuler. Comme toutes les religions, les grandes religions sont toutes manipulatrices. La laïcité est une religion manipulatrice également, la démocratie également. Dans l'Église catholique, il y a 2000 et quelques années d'existence, elle a tellement vu, elle a tellement reçu de trucs que même cabossée, elle fait toujours son effet. Tout le monde sait dans le monde entier qu'il y a un pape et qu'il est catholique. C'est quand même déjà une victoire, ça. Oui. Ben oui. On n'a aucune leçon à donner. Je n'aurais pas l'idée de donner de leçons à l'Église catholique qui a toujours su rebondir. Tandis que, le protestantisme, la réforme, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Pour survivre, ils ont dû sans arrêt se diviser et ils n'arrêtent pas de se diviser. Ils envahissent l'Afrique et l'Amérique du Sud, toujours avec des noms différents. Et la CIA, bien sûr, derrière eux, qui les encourage pour chasser les Français ou pour chasser le communisme en Amérique du Sud. Les Français en Afrique de l'Ouest. Tu as dit, votre volonté vous soumet, alors que moi, je soumets ma volonté. Bien sûr, c'est la moindre des choses, non ? Surtout, je ne serais pas l'initié, hein. C'est évident. Ma volonté égoïque n'a pas à faire ce qu'elle veut,
elle doit faire ce que j'estime qui est bien. C'est mon intérêt, je ne suis pas idiot. Je vais où il y a mon intérêt. Donc, pour aller où il y a mon intérêt, il faut que j'amène ma volonté vers où il y a mon intérêt. Comment soumettre sa volonté ? Il n'est pas question de soumettre. Soumettre, ça veut dire qu'il faut se battre. Se battre contre soi-même, ça ne peut pas aller, Laura, c'est ridicule. Oui. Alors, c'est être plus souple avec soi-même. Oui. Plus souple, beaucoup plus souple avec soi-même. Voir ton intérêt. Quel est mon intérêt ? Est-ce que ça vaut la peine de m'accrocher avec ceci ? Ben non. Lâche tout. Sois comme un roseau. Voilà, le roseau d'un haut-dessus, tranquille. Et là, ta volonté ne va même plus s'occuper de toi. C'est le vent qui va t'amener. C'est, comme je dis, c'est la pirogue qui descend au bord de l'eau. Ça se fait tout seul, au fil de l'eau. La pirogue qui descend au fil de l'eau. Voilà. Mais surtout pas se battre contre sa volonté. Surtout pas, surtout pas. Surtout pas. Diriger sa volonté, oui, bien sûr. Toute la vie demande exigence, héroïsme, aventure et audace. Ah, ça, bien sûr, mais le grand public n'a pas l'air de le savoir. Hein. Parce que eux, ils demandent assistana, perpétuel assistana. Et surtout, pensez pour moi, faites-nous des révélations, donnez-nous de l'argent, tout ce qu'on peut imaginer. Par instinct, on garde son argent. Par intuition, on dépense son argent. Oh, très, très bonne. Le gars qui a dit ça et qui s'appelle moi, Serge, bien sûr. Je dépense beaucoup d'argent et tu le sais, je donne beaucoup d'argent. Oui. Que je gagne de l'argent ou que je perds de l'argent, je gagne toujours beaucoup d'argent. Mais parce que ça me paraît logique, parce qu'on se sent bien quand on donne. Tandis que ceux qui ne donnent pas d'argent, quand même, font semblant de ne pas savoir qu'ils sont radins, égoïstes et bêtes surtout. Et que l'argent, bien sûr, ça la retombe dessus parce que ça devient le noyau central de leur vie. Mais d'une façon, je vais dire, très, très enfermée. Moi, j'ai toujours aimé l'argent, mais d'une façon ouverte. Tandis que c'est l'argent qui est enfermé. En tant qu'initié, regarde, avec le Covid, les bourses étaient écroulées, tout ça, donc il était facile pour moi, et en plus les relations que j'ai, de tripler, quadrupler l'argent que je possède dans la bourse. Or, je n'ai pas joué volontairement parce que j'ai dit, je suis un initié, je ne fais pas la spéculation. Je ne prends pas l'argent sur le dos des autres. Est-ce que les autres qui ont joué à la bourse ont eu ce réflexe ? Ben non. Vite, vite, ils pouvaient grappiller quelque chose, ils ont grappillé quelque chose. Tant mieux pour eux. C'est des petites mentalités. Donc, ils ont une petite victoire, mais ils sont contents de petites victoires parce qu'ils ont des petites vies. Petite vie, ben, petite victoire. C'est comme ça. Je vaux mieux que ça. J'ai une meilleure opinion de moi-même que ça. Serge, nous sommes arrivés aux 10 minutes. Donc, eh bien, c'est parfait. Je te remercie d'avoir répondu à mes questions et je donne rendez-vous à nos auditeurs pour une prochaine édition de Off. Parfait. Sur ce, passe une excellente journée. Merci Laura, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.